Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche après 3 jours de traitement à l'hôpital pour avoir été testé positif au coronavirus. Il avait écrit que les États-Unis ont appris à vivre avec la saison de la grippe, tout comme nous apprenons à vivre avec la COVID, beaucoup moins mortelle, chez la plupart des populations. Les utilisateurs doivent cliquer sur l'alerte pour lire le tweet. Coronavirus, ces dirigeants qui ont enfreint leurs propres règles COVID, quel risque pour la santé de Donald Trump? On ne connaît pas le taux de mortalité exact de la COVID-19, mais on pense qu'il est sensiblement plus élevé, peut-être 10 fois ou plus que la plupart des souches de grippe, selon l'université de Johns Hopkins. Le président a réagi par un post, abrogé l'article 230. Il s'agit d'une référence à une loi qui stipule que les réseaux sociaux ne sont pas responsables du contenu publié par leurs utilisateurs. Mais elle permet aux entreprises de se livrer à un blocage de bon samaritain, y compris le retrait de contenu qu'elles jugent offensant, harcelant ou violent. Si la loi devait être abrogée, les entreprises de réseaux sociaux seraient poursuivies en justice pour les modifications et les changements de contenu qu'elles auraient apportés aux utilisateurs. Les deux réseaux sociaux se sont engagés à lutter contre la désinformation potentiellement dangereuse autour du virus. Mais M. Trump s'est opposé à ce qu'il considère comme un éditorialisme de la part des entreprises. Cette proposition a reçu le soutien de tous les partis, mais pour des raisons différentes. Les Républicains affirment qu'il existe un parti pris contre les opinions conservatrices en ligne, voire une censure pure et simple, et veulent que cela cesse. Les démocrates disent qu'ils sont plus intéressés par la diffusion de la désinformation,